Mathieu. Allez, il s'élance pour ce deuxième rendez-vous. Le prix Ara d'Étrehan, poney de taille inférieure à 148 cm, d'élite avec un très bon départ pour le numéro 1 Sox, Sacha Castella, qui est en selle, mais relayé très rapidement en tête par le numéro 5 Chegora et Gustave Martinez. On retrouve troisième à l'extérieur, Margot Moisson qui monte à Darius Ruler, accompagné à l'intérieur par le numéro 9. Il s'agit d'Imperial Night Fighter avec Eugénie de Grandvilliers qui est tout près. On retrouve également le numéro 7 Shoot the Deal qui est associé à Bérénice Monnier. On retrouve également en retrait le numéro 3 Secret Arrow avec Mika Soumillon qui patiente pour l'instant alors que les concurrents sont déjà dans le dernier tournant. Chez Goral, numéro 5 à l'avantage avec en deuxième position Sox. En troisième position, on retrouve galopant à l'intérieur le 9 Imperial Night Fighter. À l'extérieur encore, c'est le numéro 8 Adorias Vouleur qui refait un petit peu de terrain accompagné par le numéro 6 Othello et Thibaut Delaunay pendant que le numéro 2 Header et Jordan Major Creek se rapprochent à l'extérieur. À l'arrière, le 4 Lard Mountbatten avec Thiago Lerner alors que Secret Arrow, le numéro 3, essaie de refaire du terrain à 300 mètres du but maintenant. Le numéro 5 Chegora qui se détache et compte une longueur devant le numéro 9 Imperial High Night Fighter qui est en deuxième position alors que le numéro 2 Header revient d'assez loin. L'As Sox se défend bien également avec le numéro 8 Adarias Voleur qui vient en dehors. La cause est désormais entendue pour le numéro 5 Chegora, Gustave Martinez qui s'impose très facilement. La deuxième place pour le 9 Imperial High Night Fighter avec Eugénie de Grandvilliers et la troisième place pour le numéro 8 Adarias Voleur et Margot Moisson.
Qui termine quatrième. Retour également de Bérénice Fognier. Retour de Thiago Lerner. Également retour de Lucas Soumillon. Margot Boisson qui termine troisième. Thibaut Delaunay. Eugénie de Grandvilliers. Et puis surtout, c'est une question de l'éducation.